Je recherche ma voie dans tout ça. On a beaucoup d'opportunités, alors c'est dur de trouver son chemin. Mais j'ai beaucoup été influencée par mon année en Erasmus et donc ça oriente un peu mes choix. J'ai décidé de venir faire un petit tour ici pour voir un peu que sont devenues les anciennes promotions, parce que je trouve ça intéressant, même si je suis qu'en Master 1, de voir un peu comment on s'insère sur le marché du travail, quelles sont les différentes offres, les possibilités. J'avais quand même un intérêt particulier pour tout ce qui était consulting, gestionnaire. Je suis en train de voir du côté agence de communication, puisque voilà, mon master c'est la communication. J'ai passé quasiment une demi-heure ici avec le pôle enseignant-chercheur. Et voilà, on a pu échanger un peu sur quelles ont été leurs difficultés pour trouver des offres de... Des bourses de thèse, comment est-ce qu'ils ont pu développer leur sujet, l'enseignement, etc. Donc ça a répondu partiellement à mes questions. Je me suis arrêtée au stand de humanitaire et social, donc le master PPOI, donc, qui ouvre à l'international, pour essayer de voir s'il y a des possibilités de travailler en ONG, en organisation internationale. C'est soit des étudiants qui sont déjà dans le master que moi j'ai fait, donc qui s'appelait OIG-ONG à l'époque, qui s'appelle PPOI maintenant, donc qui voulaient des questions plutôt de l'ordre de l'orientation professionnelle, les stages, où aller après le master. Et après, quand même pas mal d'étudiants de troisième année ou de première année qui, eux, se demandaient quel master ils allaient faire et qui, globalement, ont un intérêt soit pour l'international, soit pour les questions de vivre ensemble, de santé, les questions sociétales, sanitaires, que moi je traite dans mon métier. Donc ils ne venaient pas spécialement voir plein international, mais ils venaient voir plutôt le monde des ONG, le monde des organisations internationales. Bah, à Sciences Po, on est préparé effectivement à pas mal de trucs. On a la volonté de faire des enseignements pluridisciplinaires, donc tout ce qui est effectivement plus les métiers publics. Et quand on va dans le privé aussi, on se rend compte effectivement, il y a tout ce côté relations gouvernementales. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais au final, on a des tonnes de métiers, on a des gens qui finissent. On a un master Progis ici, donc il y en a pas mal de gens qui finissent dans le marketing, tout ce qui est audit, enquête d'opinion, etc. C'est un petit peu variable, c'est-à-dire qu'on a une idée très très vague de nous ce qu'on fait. Donc on associe Ipsos plus ou moins au sondage politique. Mais c'est vrai que le métier des études marketing est assez peu connu. Au-delà de faire des questionnaires et puis d'estimer les résultats d'élections politiques, c'est beaucoup plus riche que ça. Et donc c'est là où j'ai pu leur découvrir un petit peu ce que je faisais au quotidien. Et c'est vrai que ça allait peut-être au-delà de ce qu'ils imaginaient, de faire simplement des questionnaires et de les analyser, quoi. C'est plutôt sur le métier de journaliste. Les étudiants ont beaucoup de questions sur comment est le métier aujourd'hui, comment on y accède, comment on fait vraiment. C'est quelque chose qui les inquiète beaucoup. Il faut dire que c'est un métier qui connaît beaucoup de tensions, avec peu de place, assez précaire par moment, qui demande de passer des concours. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de questions à ce niveau-là pour savoir comment y accéder. Je sais que c'est une période un petit peu difficile quand on est... quand on se pose des questions en tant qu'étudiant sur le métier qu'on va faire plus tard. Donc aller à leur rencontre, leur expliquer ce qu'on fait aujourd'hui et puis comment Sciences Po a pu m'aider dans mon parcours. Donc c'était quand même assez sympa, surtout qu'on se rend compte que voilà, souvent les trajectoires sont assez imprévisibles. Nous, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est d'aller faire des stages, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils peuvent savoir si c'est un métier qui les intéresse ou pas. Et je pense que c'est vrai pour notre métier, mais c'est vrai pour tous les autres métiers qui peuvent être présentés ici aujourd'hui. Je suis un petit peu entre le monde, plus une insertion professionnelle directe ou une thèse. Et forcément, vu que je suis en master Amérique latine, je suis assez intéressée par tout ce qui est relations Mexique-Union européenne. Et politique migratoire. Mon emploi idéal, ce serait plutôt de travailler en cabinet, donc peut-être un peu dans l'innovation, la technologie. Voilà, c'est des domaines qui m'intéressent et ça serait super si je pouvais le faire, du coup, à l'avenir. Ok, donc l'objectif dans deux ans et demi, trois ans, c'est quoi? C'est de partir au Brésil? Pourquoi pas? À voir. Mais surtout trouver ma voie dans tous les cas.